Bonjour, chers élèves. Je me présente, Monsieur César Moussounda, professeur de mathématiques. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve chez vous dans le cadre de ce programme « Apprendre à la maison pour lutter contre le Covid-19 ». Alors, cette séance suit les deux séances que nous avions effectuées la semaine passée sur la notion des probabilités. En réalité, aujourd'hui, il s'agit d'une séance de travaux dirigés. Alors, comme nous l'avons vu la semaine passée, nous avons introduit notre cours avec le vocabulaire des probabilités. Nous avons découvert des termes tels que « expérience aléatoire ». Et il a été dit à ce moment-là qu'une expérience aléatoire est une expérience qui dépend du hasard. Nous avons vu que les différents résultats obtenus, ou tous les résultats possibles obtenus au cours d'une expérience aléatoire, étaient appelés éventualités ou issues. Nous avons également dit que l'ensemble formé par toutes les éventualités d'une expérience aléatoire était l'univers que nous avions pris l'habitude de noter par la lettre grand oméga. Et donc, dans l'univers, on peut définir un événement. Un événement, c'est une partie de l'univers. Donc, un événement est formé d'éventualités. On a également vu qu'on pouvait avoir un événement élémentaire. Un événement élémentaire, c'est un événement qui n'est constitué que d'une seule éventualité. On a défini l'événement certain, qui est une partie pleine. Donc, un événement certain, c'est un événement dont les éléments O qui est égal à oméga. On a également parlé d'événement impossible. Un événement impossible, c'est une partie vide d'oméga, c'est-à-dire l'ensemble vide. Et on a parlé d'événements contraires. On a défini l'événement, par exemple, A ou B, l'événement A et B, ainsi de suite. Vous voyez devant votre écran un rappel, justement, du vocabulaire des ensembles et comparativement au vocabulaire des événements. Peut-être que la semaine passée, vous n'avez pas eu le temps de pouvoir noter, puisque je l'avais expliqué au tableau. Maintenant, vous avez la latitude de pouvoir filmer l'image qui apparaît sur votre écran pour pouvoir conserver ce tableau-là dans vos téléphones et puis le consulter à votre guise. Alors, après avoir parlé donc de ce langage, du vocabulaire des événements, nous avons défini une loi de probabilité sur un univers fini. On dit que l'univers est fini lorsqu'on peut compter, dénombrer toutes ces éventualités, lorsqu'on connaît le nombre d'éventualités qui composent notre univers. On a défini une probabilité. Imaginons par exemple qu'on ait notre univers soit composé de n éventualités que nous allons noter A1, A2, jusqu'à AN. Autrement dit, notre univers ici est constitué de n éventualités. Nous avons donc dit que définir une probabilité sur notre univers, c'est se donner n réels que nous avons notés, P1, P2, jusqu'à Pn. Et ces réels avaient la propriété suivante, c'est que P1 était compris entre 0 et 1. P2 également était compris entre 0 et 1. Jusqu'au réel Pn, qui lui également est compris entre 0 et 1. Ce sont des zéros ici. Ça, c'était une des propriétés que devait satisfaire ces réels, ces n réels. Et lorsqu'on faisait également la somme de tous ces réels, lorsqu'on fait P1 plus P2 plus Pn, on a dit que ça devait faire 1. Chacun de ces réels-là va être associé à un événement élémentaire formé à partir des éventualités d'oméga. Donc, notre probabilité P, on a dit que P était la probabilité de l'événement élémentaire, par exemple, on va dire AI. Cela signifiait que, simplement, à l'éventualité AI, on avait associé le réel PI. PI. Nos réels qu'on a définis de la manière suivante. Ça veut donc dire que, par exemple, la probabilité de l'événement élémentaire formé par l'éventualité A1, ce serait P1, ainsi de suite. Donc, on définit ici la probabilité d'un événement élémentaire. Maintenant, pour définir la probabilité de l'événement
d'un événement quelconque, grand E. On a dit un événement est composé de plusieurs éventualités. Pour définir la probabilité de l'événement grand E, on a dit que la probabilité de l'événement grand E, elle est égale à la somme des probabilités de toutes les éventualités qui composent notre événement grand E. Je reprends. La probabilité de l'événement grand E est la somme de toutes les probabilités des éléments des événements élémentaires qui définissent grand E. La probabilité de l'événement grand E est la somme des probabilités de tous les événements élémentaires qui définissent grand E. Et on a également défini sur des règles de calcul, par exemple, lorsqu'on a deux événements E et F obtenu à partir de l'univers oméga, et que si les événements E et F sont incompatibles, autrement dit, alors si les événements E et F sont incompatibles, voilà, sont incompatibles, c'est-à-dire que E inter F, c'est égal à l'ensemble lui, nous avons dit que la probabilité de E union F, c'était égal à P de E, plus P de F. Ah, c'est pour deux événements E et F incompatibles. Alors, incompatibles, il faut que... Évidemment, lorsque E et F sont deux événements quelconques, à ce moment-là, on a dit que la probabilité de E union F, c'est égal à P de E, plus P de F moins P de E inter F. Voilà, il y avait une dernière propriété. La dernière, c'était la suivante. Si on a un événement E et que E bar est l'événement contraire de E, la probabilité de E bar, c'est égal à 1 moins P de E. Évidemment, il fallait rajouter aussi, comme propriété, la probabilité d'un événement certain pour P de oméga, c'est égal à 1, et la probabilité de l'événement impossible, P de l'ensemble vide, c'est égal à 0. Donc, voici ce que nous avons vu, grosso modo, la semaine passée. Nous allons donc maintenant réinvestir toutes ces propriétés, toutes ces connaissances, dans notre séance de travaux dirigés. Pour ce faire, vous allez voir apparaître sur votre écran l'exercice que nous nous étions donné la semaine passée. Voilà, je vous avais demandé de chercher cet exercice. J'espère que vous avez travaillé là-dessus pour que nous puissions commencer à faire la correction ensemble aujourd'hui. Je vais donc relire l'énoncé de cet exercice. On dispose d'un dé pipé, c'est-à-dire un dé dont les chances de ces six faces ne sont pas les mêmes. Les faces sont marquées de 1 à 6. Pour chaque lancé, on note PI, la probabilité d'avoir la face marquée I. Des observations ont montré que P1 égale à P5 égale à P6 égale à 1 douzième, P2 égale à 1 tiers et P3 égale à 1 sixième. Première question, quel est l'univers lié à cette expérience? Deuxième question, calculer P4. Troisième question, on lance ce dé. On désigne par A l'événement obtenir un nombre pair et par B l'événement obtenir un entier compris entre 2 et 5, 2 et 5 inclus. Exprimez par une phrase les événements suivants. A bar, B bar, A inter B, A union B. Tib, calculer P de A et P de B, calculer de deux façons différentes P de A bar et P de B bar, calculer P de A inter B et P de A union B. Bon, j'ose espérer que vous avez déjà effectué ce travail. Nous allons donc effectuer la correction aujourd'hui. Je vais donc commencer par effacer le tableau pour que nous puissions procéder à la correction de cet exercice. Et vous pourrez comparer ainsi avec ce que vous avez fait pour voir si les objectifs qui avaient été définis lors des séances précédentes, à savoir que vous deviez être capable de calculer la probabilité d'un événement, vous deviez être capable d'utiliser les propriétés des probabilités pour calculer un événement si ces objectifs-là ont été atteints.
Alors, donc, je vais essayer de réécrire ici quelques données. On nous a dit qu'on avait P1 égale à P5 égale à P6, c'est égal à 1 douzième. Et P2, donc c'est égal à 1 tiers. P3, c'est égal à 1 sixième. Bien, nous allons donc procéder à l'exercice. Vous avez suffisamment vu. Vous pouvez même filmer à nouveau cet exercice si vous ne l'aviez pas fait la semaine passée, parce que tout au long de notre séance, nous allons souvent revenir sur cet énoncé. Donc maintenant, on va procéder à la correction au tableau de cet exercice. Bon, première question, c'est donc quel est l'univers? Ensuite, calculer P de 4. Donc si on peut passer au tableau pour suivre la correction. Alors, on nous demande de déterminer l'univers lié à cette expérience. On demande de déterminer l'univers lié à cette expérience. Donc, j'espère que vous avez sur votre écran le tableau. Alors, voilà. Donc, première chose, il faut déterminer l'univers lié à cette expérience. Une fois de plus, il est question d'un dé, dont les faces sont marquées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on lance un dé et qu'on s'intéresse au numéro, au nombre inscrit sur la face supérieure, donc, les différents résultats sont, nous les avions vus la semaine passée, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voici donc oméga. Alors, par rapport à la probabilité, la loi de probabilité qu'on a définie sur notre univers, vous vous souvenez, je venais de faire le rappel ici, eh bien, l'énoncé stipule ceci. Lorsqu'on calcule la probabilité de l'événement élémentaire, c'est-à-dire obtenir la face 1, on a dit que c'était noté P1 dans l'énoncé. Parce que lorsque la probabilité d'obtenir l'événement élémentaire I, c'est-à-dire obtenir la face I, c'est PI. Donc quand c'est obtenir 1, mais P1. Et P1 vaut quoi? Ici, par rapport aux données, P1 vaut combien? On a dit 1 douzième. Ainsi de suite. Donc P2, 1 tiers, ainsi de suite. On demande... Donc, on a l'univers ici, ça c'était la première question. On demande de calculer P4. Donc, c'est la deuxième question. Calcul de P4. Autrement dit, la probabilité de l'événement élémentaire 4, obtenir 4. Alors, P4, pour calculer P4, nous allons utiliser les propriétés que nous avons rappelées tout à l'heure. Lorsqu'on est dans un univers, la somme des probabilités de tous les événements élémentaires qui définissent notre univers est égal à 1. Cela signifie donc, pour notre cas, que lorsqu'on fait P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6, c'est égal à 1. La somme des probabilités de tous les événements élémentaires qui composent notre univers ou qui définissent notre univers est égal à 1. Nous, on cherche P4. De cette égalité, on peut donc extraire P4. C'est que P4 va être égal à 1 moins, il faut mettre entre parenthèses, donc P1 plus P2 plus P3 plus P5 plus P6. Par exemple, j'ai enlevé P4 ici parce que c'est P4 qu'on cherche. On remplace chacune de ces probabilités par sa valeur. Ce qui fait encore donc 1 moins. Alors, P1, c'est 1 douzième. P2, 1 tiers, plus P3, 1 sixième, plus P5, 1 douzième, plus P6, 1 douzième également. Alors ça, c'est encore égal à 1 moins. Alors, on regarde ici, 1 douzième, 1 douzième, 1 douzième, il y en a 3, donc 3 douzièmes. Il faudrait convertir, il faudrait, voilà, exprimer chacune de ces fractions, réduire ces fractions au même dénominateur qui est 12 ici, au dénominateur commun. Donc 1 tiers, c'est 4 douzièmes. Ici, c'est 2 douzièmes. Donc ça fait 4 plus 2, 6. Plus les 3, 7. Et ça, on reprend. Voilà ici, 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 3, 9. Donc ici, on trouve 9 douzièmes, ce qui fait encore
3 douzièmes. On peut convertir, on peut réduire au même dénominateur, donc ce qui fait 1 quart. Donc on trouve que P4 est égal à 1 quart. Ici. Donc P4, c'est égal à 1 quart. Voilà, donc ça c'est la première question. Maintenant, si on peut revenir, si on peut revenir à l'énoncé, s'il vous plaît. Si on peut revenir à l'énoncé. Alors, donc on passe à la question 3. On a défini deux événements, A et B. A, c'est obtenir un nombre pair. Donc, si A, c'est, A, c'est obtenir un nombre pair. Et B, c'est obtenir, obtenir un entier compris entre 2 et 5. On peut commencer donc par écrire chacun de ces événements avec sa liste d'événements, sa liste d'éléments. A, c'est obtenir un nombre pair. Donc, A est constitué des éléments, des nombres 2, 4, 6. Tandis que B, c'est obtenir un nombre entier compris entre 2 et 5. Donc ici, c'est 2, 3, 4, 5. Ce qu'on a dit, 2 et 5 inclus. Alors la question, c'est exprimer par une phrase les événements A bar, B bar, A inter B et A union B. Alors si on peut venir au tableau, qu'on fasse la correction. Donc il faut exprimer par une phrase les événements A bar et B bar. On peut commencer par ça. Première chose, on pourrait peut-être, par exemple d'abord peut-être donner la liste d'éléments de A bar. A bar, qu'est-ce que ce serait? On a dit que les éléments de A bar sont les éléments de notre univers, l'oméga, mais qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à A. Donc si on enlève tous les nombres pairs ici, il nous reste les nombres impairs normalement. Donc A bar a pour élément 1, 3, 5. Alors si nous devions faire une phrase pour définir A bar, on dirait que A bar, c'est l'événement obtenir un nombre impair. Procédons de la même façon pour B bar. Alors, B. Donc, commençons par donner d'abord la liste d'éléments de B bar. Puisque B contient les éléments 2, 3, 4, 5, on va voir dans oméga, on enlève ces éléments-là. Donc, il nous resterait 1 et 6. Donc, B bar est constitué des éléments 1 et 6. Alors, s'il faut définir B bar par une phrase, je dirais ceci, que B bar, c'est l'événement obtenir 1 ou 6. Obtenir 1 ou 6. Voilà. Ensuite, il faut également définir les événements A inter B, A union B, toujours avec une phrase. Commençons par donner la liste d'éléments de A inter B. Alors, on avait dit que dans A inter B, on trouve les éléments communs à A et B, les éléments qui sont à la fois dans A et dans B, les éléments communs à A et B. On voit bien que, par exemple, il y a 2 ici, 2 également, 4 et 4. Donc, A inter B est constitué des éléments 2 et 4. Alors, ce qui fait que A inter B, si on doit définir l'événement A inter B à l'aide d'une phrase, on dirait que A inter B, c'est l'événement obtenir 2 ou 6. Obtenir 2 ou 6. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est bien ça, A inter B. Obtenir 2 ou 4, autant pour moi. Voilà, c'est 2 et 4. Obtenir 2 ou 4. Alors, je vais devoir effacer ici, peut-être. Ouais, je vais enlever ça. Bien, on poursuit. Ensuite, il faut définir A union B avec une phrase. A union B, c'est l'événement. Ah, peut-être d'abord donner la liste d'éléments avant de donner la traduction en une phrase. Alors, A union B. Donc, on trouve dans A union B, on réunit les éléments de A et B, les éléments qui sont à la fois dans A et dans B, en écrivant chaque élément une seule fois, quand bien même il apparaîtrait dans les deux en même temps. Donc, on a 2, 4, 6 ici. Là, il faut rajouter à B simplement le 6. Donc, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Avec une phrase, donc A union B,
c'est l'événement obtenir, un nombre compris, entre 2 et 6. Parenthèse, 2 et 6 inclus. Voilà. Ensuite, il faut calculer la probabilité. Si on peut revenir à l'énoncé, s'il vous plaît. Voilà. Attends que j'efface le tableau. Bien. Ensuite, il faut calculer P de A et P de B. Alors, P de A, calcul de P de A. Regarde ici. On a vu que pour calculer la probabilité d'un événement, eh bien, la probabilité d'un événement, c'est égal à la somme des probabilités de tous les événements élémentaires qui définissent notre événement. Donc, P de A ici serait égal à P2 plus P4 plus P6. Ce qui fait encore P2, donc c'est un tiers, plus P4. P4, nous avons trouvé ici, c'était un quart. Donc, rajouter ça ici. Donc, plus un quart, plus P6. Alors, P6, donc un douzième. Douzième. Si ça fait 4 douzièmes, là, ça fait 4 douzièmes, 3 douzièmes, 4 plus 7, 4 plus 3, 7, plus 1, 8. Donc, on trouve 8 douzièmes. 8 douzièmes qu'on peut simplifier. Simplifier ici. Donc, par 4, ça fait encore 2 tiers. Ça, c'est P de A. Même chose, P de B. Alors, P de B, il faut qu'on voit les... P de B, donc c'est P2 plus P3 plus P4 plus P6. Donc, P2 plus P3 plus P4 plus P5. P2 plus P3 plus... Alors, P2, donc c'est un tiers, plus P3, P3, donc plus un sixième. Alors, plus P4, P4, on a dit 5 quarts, plus P5, P5, un douzième. Alors, on réduit au même dénominateur. Alors, PB, on trouve donc 10 douzièmes. En simplifiant, donc ça fait 5 sixièmes. Voilà, 5 sixièmes. Alors, ensuite, il faut calculer en énoncé. Revenons à notre énoncé, s'il vous plaît. On va enlever ça. Il faut calculer P de A bar. Alors, P de A bar, on a demandé de calculer ça de deux façons différentes. Il faut revenir sur A bar, c'était obtenir un nombre impair. Donc, ce serait... Par définition, ce serait P de 1 plus P de 3 plus P de 5. Alors, P de 1, c'est un douzième. Un douzième plus P3. P3, c'est un sixième. Plus P5, un douzième également. Un douzième. Alors, ce qui fait que P de A bar, on trouve 4 douzièmes. Alors, parce qu'ici, ce sera 1, là c'est 2 douzièmes, donc 4 douzièmes. Ainsi, P de A bar. C'est la première méthode. La deuxième méthode, dans la deuxième méthode, nous allons utiliser la formule. Une des propriétés que nous avons vues, on a vu que si A bar, c'est l'événement contraire de A, eh bien, P de A bar... c'est égal à 1 moins P de A. Alors, ce qui donne, puisqu'on a P de A ici, 2 tiers, enfin, ici, on peut simplifier, évidemment, par 4, donc c'est 1 tiers. Donc, c'est 1 moins, regarde, P de A, moins 2 tiers. OK, moins 2 tiers.
Donc, ce qui fait un tir. Voilà. Donc, peu importe la méthode utilisée, on arrive au même résultat. De la même façon, nous avons calculé P de B. On a trouvé 5 sixièmes. On va calculer P de B bar. En utilisant d'abord la définition, il faut voir tous les éléments qui composent B bar. On a dit c'est obtenir 1 ou 6. Donc, ce serait égal à P de 1 plus P de 6. P de 1 plus P de 6. Alors, P de 1, c'est 1 douzième plus P de 6. 1 douzième également. Donc, 2 douzièmes. Ce qui fait 1 sixième. Ça, c'est P de B bar. Maintenant, on pourrait également calculer P de B bar en utilisant la formule qui veut que P de B bar soit égal à 1 moins P de B. On va obtenir également 1 sixième. Voilà. On va quand même calculer P de A inter B. Peut-être effacer. Bon, je vais effacer ici. P de A inter B. Donc, c'est égal à P de 2. P2 plus P4. P2, c'est un tiers. Plus P4, donc c'est, on a dit un quart. On réduit, donc c'est 4 ici, 7. Donc, 7 douzièmes. Ça, c'est P de A inter B. P de A inter B, 7 douzièmes. Voilà, ça. Donc, on calcule de la même façon, P de A union B, en tenant d'abord la définition, et en appliquant la probabilité qui veut que la probabilité d'un événement soit égale à la somme des probabilités de tous les événements élémentaires qui composent notre univers. Alors, nous sommes donc arrivés au terme de notre séance. Les semaines qui suivront, ou lors d'une autre séquence, nous allons approfondir encore le cours des probabilités. Cette fois-ci, nous allons définir l'équiprobabilité. Voilà, nous verrons ce qui se passe lorsque, dans l'événement, tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Alors, sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Je vous demande de rester toujours câblé sur Gabon Première, de continuer à apprendre à la maison pour lutter contre le Covid-19. Et surtout, n'oubliez pas de respecter tous les gestes barrières. Merci.